Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à dessiner un visage qui pleure façon cartoon. Alors, pour commencer, on va venir faire les yeux. Voilà, donc ça va être deux demi-cercles, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir fermer l'œil au niveau de la moitié. Voilà. Ensuite, on va faire ici une petite cerne comme ça. Et aussi une en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir faire le nez. Donc un point, un demi-cercle et un autre point. Ensuite, on va venir faire les sourcils. Donc ils seront environ orientés à 80 degrés. Donc ça va être presque 90 degrés. Donc ils seront vraiment très obliques. Voilà. Ensuite, on va venir faire la bouche. Donc la bouche, ça va être très important. Donc on va commencer par faire une espèce de petite vague comme ça et descendre en bas. Et revenir faire une petite vague comme ça. Ensuite, on va venir faire les dents. Dès que vous avez fait les dents, on va venir faire la langue. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir faire les oreilles. Voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir faire des petites larmes. Comme ça. Pareil ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va venir faire les cheveux. Donc, les cheveux, c'est vraiment très simple, hein. Donc, vous faites des petits pics comme ça, surtout le long du crâne, pour revenir ici. Ensuite, vous fermez comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le contour du visage. Le menton et on continue. Voilà, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va essayer d'amplifier le fait que le visage pleure, le personnage pleure. On va faire ici des larmes comme ça, un petit peu partout autour de la tête. Qui vont venir en fait exploser. Voilà. Comme ça. Vous allez aussi faire quelques vibrations au niveau de la bouche. Donc c'est des petits traits comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fermer la bouche. Donc, faites comme ça. Et vous colorez en noir à l'intérieur. Donc ça, c'est optionnel, hein. Donc, si vous préférez laisser blanc, vous laissez blanc. Si vous pouvez, vous préférez colorer en noir, vous colorez en noir. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt.